Ça va pas être évident, mais on y croit. On y croit, on y croit. Je pense que de toute façon, on est en 42. En quelle année maximum? Enfin, ou plutôt, ils peuvent avoir une bombe nucléaire, les États-Unis, pour mon objectif. Parce que si, parce que bon, voilà. Ma question, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que si j'attaque les États-Unis maintenant, je peux poser une bombe nucléaire chez eux? Avant genre 44 quoi. Ou est-ce que de toute façon en 43 ils auront la bombe nucléaire? 44? Ah oui, ils l'ont un an avant. Ah, faudrait que je lance la recherche quoi. Faudrait que je lance la prochaine recherche, je lance la recherche. De toute façon, le Yunnan tombera assez vite, j'imagine. M'étonnerait qu'ils aient les ressources et l'équipement de toute façon pour tenir face à une armée aussi puissante que l'armée de l'empereur japonais, Hirohito. C'est qui? C'est pas Hirohito? Si, j'allais dire. J'ai vu Taisei Yokunsai, là, comme je sais pas ce que ça veut dire, je me suis dit c'est un prénom. Bon, et 6, je veux bien, mais ils sont surtout censés mourir, hein. Comment ça se fait qu'ils ont autant de ravitaillement? Voilà. Là, c'est tombé. Parfait. Ah ouais, je vais plutôt attaquer là. Si je peux continuer d'avancer ici, on n'est pas mécontent. Là, j'avance là. Hirohito qui se nomme également Showa. Ah ouais? Bah, je ne savais pas. Le tireur Yuizu est blessé. Continuez comme ça, les gars. Continuez comme ça. Il y a zéro ravitaillement. Faut juste en finir! En terminer! De toute façon, tripartite, on va se retrouver en guerre contre l'Union soviétique, apparemment. Apparemment. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a envie? Et la question, c'est est-ce que de toute façon, on peut passer à côté? Et je ne pense pas. En vérité de vrai. Ah, mais du coup, les stats de guerre, ils ont complètement. Enfin, ils sont. Moisis, quoi. J'ai perdu 30 000 hommes sur cette guerre. On ne saura jamais officiellement combien j'en ai perdu. Non, mais là, de toute façon, les bateaux, c'est un peu abusé, quoi. Tu as fait ça. Ça vient là, toi. Faut que tu viens là. Là, je passe ici et après on passe à l'offensive, on prend la capitale et ils sont décédés. Vaincus, éliminés. Faudra voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on en fait des fantoches? Ou est-ce qu'on le prend pour le Japon? Pardon. Hein. J'étais en réflexion. Ah bah attends, mais si t'as lâché ça, moi je passe là. Hein. On va encercler la capitale. Hein.
Bon, passer le fleuve, c'est pas le truc le plus simple de l'histoire. Un César s'en est mordu les doigts. César s'en est mordu les doigts. Bonjour Berlinois. Prends les cotes et donne le reste à ton pépette. À ton pépette. À ton pépette. Putain, je lance. Les côtes? Pourquoi prendre les côtes? Ah bah oui, pour prendre les ports. Eh, il y a du génie. Hein. Il y a du génie. Hein. Et mon pépette, c'est l'empire du Manchuco. Je lui file les trucs à lui. Sinon, je fais un autre fantoche. Hein. Je suis un fantoche, ça fait un gars dans ma... Un copain. Allez. Bonne raison que ça ne passe pas. Là-haut, c'est terminé, très bien. Il s'est passé quoi depuis le début du live, du coup? Alors, on a fini avec le Guangxi. Assez facilement au final, on était un parachutage sur la capitale et la ville qui était ici et ils ont abandonné quoi. Donc parfait. Derrière, guerre contre la Chine et domination complète évidemment parce qu'on est le Japon et qu'on est content. Fais ça. La Bulgarie légionnaire a rejoint l'axe. Allez, ça a tombé. Oh, c'est la capitale. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont capituler dans la foulée? Je ne sais pas. Le reste, c'est 1 point et 3 points. Donc normalement, c'est capitulation, quoi. Oh non, 24. Oh, la tristesse et la déception. Moi j'allais là. Non. Je peux pas passer. Bon. Signer le pacte tripartite. Ouais, mais le pacte tripartite. J'avoue vraiment que ça me fait peur, moi. J'ai vraiment l'inquiétude de me retrouver dans une situation où l'Union soviétique, j'ai pas le niveau, quoi. Monte la prod des zéros. Le reste, de toute façon, ça va aller, quoi. Véhicule motorisé, on a ce qu'il faut. Char léger, on va le remplacer. Ah, j'ai oublié de changer le char moyen. C'est vrai que du coup, bon... Je vais mettre en char moyen. Et les chars lourds? J'en ai 230... C'est pas la folie, hein. On peut le dire, hein. Ici, ça va pas être évident, quand même. Hein. Le fleuve va nous poser un souci. Impression, voilà. Hein? Si je peux essayer de ne pas repasser à l'offense. Vous êtes vraiment sérieux là? Il n'y a plus personne, mais on reste là, on garde. C'est quoi? C'est une prairie. On est tout seul. On la voit la prairie. Elle est, on est sur les collines autour, on voit le pré. Il n'y a personne, il n'y a pas un arbre. Il y a juste quelques brins d'herbe. Mais on sait jamais. Peut-être qu'ils se sont cachés, ils ont peut-être fait un trou. Hein? Donc on reste, on est 17 000. Mais on garde la prairie. Merci beaucoup. Bon. Faut qu'on se focus là-dessus, là. Notamment par une offensive ici. Qui pourrait être potentiellement intéressante, bien sûr. Histoire de passer, quoi. Bon, du coup, les, voilà. Eux, ils sont tous au même endroit, quoi. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est... Tac. Divisé en deux jusqu'au fleuve, là, pourquoi pas. Et eux.
Du coup, jusqu'ici aussi. Et on se repositionne, les gars. Et on va passer à l'offensive autrement, quoi. C'est qui ça? Pourquoi ils attendent? C'est qui ça? Ah, c'est protection des côtes. Vous avez fini votre journée, vous. Retourne. On va se lancer dans... on va se lancer dans l'assaut. Dans l'assaut des États-Unis d'ici bientôt. Donc reprotégeons tout ça. Le temps qu'on n'est pas sûr d'avoir la supériorité maritime contre les États-Unis. On veut pas qu'il passe comme ça là. Comme ça. Comme ça. Le reste, on verra quoi. De toute façon, on n'a pas assez d'unités. On pourrait en faire, mais on n'a pas envie. Alors, ici. C'est pas en position. Et ici, c'est pas en position non plus. On va accélérer un peu. Avec l'Allemagne, j'ai battu les alliés en 42. Je vois que tout le monde n'est pas seul dans le chat. Les menaces du communisme reculent. En 42, j'ai déjà vu un Japon qui avait battu la Chine. Ouais, bah après, t'as vu que ma bataille contre la Chine, on a démarré très très tard. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est en guerre contre eux? On peut plus savoir du coup, mais... On voulait passer à l'offensive, mais l'événement a été plutôt... la Chine fait des concessions de territoire. Donc forcément, après... Bon, on s'est occupé d'ailleurs, quoi. Évident. Évident. Alors. Moi, avec la France, j'ai déjà battu l'Allemagne avant 40. Avant 40. Hein. Ah. Ça dépend des événements. Ouais, on est vraiment en manque de ressources là. Il y a un manque de ravitaillement dans le coin. Toi, tu as passé. Oula, tu as passé à l'offensive. C'est où? Je suis perdu. Où est la ville? La ville est là. Tu as passé à l'offensive comme ça. Ah, je me suis. Ah non, j'allais dire, je me suis planté. J'ai lancé par rapport au. Ça, je sais pas ce que ça change vraiment. Mais bon, voilà, quoi. C'est fait. C'est fait. Tan, 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 tan. On est à 171 points. Supériorité aérienne ennemie, moins 10%. Ça peut être pas mal, ça, hein. Je vais le mettre. On prévoit l'avenir. On prévoit l'avenir. Pourquoi, me direz-vous? Ben, c'est très simple. Parce que... Quand on aura besoin de prendre le contrôle, enfin, la supériorité aérienne, ici... Bah, le moins 10%, je pense qu'il fera plaisir pour lâcher la bombe nucléaire. Comment ils s'y prennent, là? Oh, ok. Ils ont déplacé leur capitale, là-bas? J'avais pas vu, dis donc. Oh, c'était une mauvaise idée, en fait. J'avais pas vu qu'il y avait eu... Merci beaucoup Captain Sparrow qui offre un abonnement. Merci beaucoup encore un abonnement offert. Merci beaucoup. Bonjour et courant. T'as loupé t'as loupé le talent, je pense qu'on peut le dire comme ça. Pas du tout. T'as loupé la chute du Guangxi, une chute quasi instantanée. On va dire ça comme ça. De la Chine, mais forcément l'événement dans le jeu fait que... Ah, capitulation. La Chine a capitulé. Mais du coup le Yuan là... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci beaucoup Captain Sparrow. 23e abonnement offert sur cette chaîne, c'est le 23e aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup Captain Sparrow. Merci beaucoup. Bon, du coup, victoire. Eh, ça célèbre la victoire. Ça célèbre la victoire. On récupère les armes, on est content.
C'est les vieilles armes, mais bon, voilà. Grande chaîne, ok. Alors. Faudrait 705 pour Fantoche, quoi. On les a même pas. Ah, mais ça fantoche tout, quoi. Mais je suis d'accord sur le fait de prendre d'abord les ports. Je peux faire ça en vrai. Hein. Ils ont... La Chine n'a pas d'accès à la mer. Mais au moins, je prends les ports. Des ports en plus que j'ai améliorés. Hein. C'est vrai que celui-là, je l'ai amélioré. Alors, c'est pas la Chine, mais bon, voilà. Et le reste, je le fais en fantoche et puis on voit ce que ça donne, quoi. Je suis responsable de 60% des sommes. Merci beaucoup, Captain Sparrow. Ouais. Prends-en un peu plus. Bah. Pff. On peut prendre ça et puis laisser l'intérieur des terres vraiment, quoi. Mais ça fait une toute petite chaîne. Tu vois, c'est pas intéressant. Tu vois, je suis pas contre le prendre. Parce qu'il y a des ressources, on est content. Un peu de tungstène, bon. Ici, il y a de l'acier, mais bon. Faute de puppet chine. Pourquoi? C'est utile. Ah, mais je peux pas. Ah, ouais, libérer. Chine pour clic du club central. Je vais pas mettre Chine communiste. Hein. Chine communiste, il y en a déjà une. Bon, voilà. On a pas trop envie, quoi. Pas libérer satellite. Yes, yes, yes. Non, en vrai, je pense que c'est pas mal de juste prendre les cotes. Et effectivement, plutôt que de mettre la Chine en fantoche, on met deux puppets. Deux fantoches. Le Xibei. Ah, mais le Xibei, ça me prend tout là ou quoi? En fait, je peux pas en mettre deux. Parce que soit je mets la Chine fantoche, soit en fait, soit je mets la clique du club central, soit la Chine communiste, soit le Xibei. Si tu satellites la Chine, Coco, elle sera pas Coco. Elle sera facho. Yes. Mais bon, il y a déjà un nom Chine communiste, j'ai pas envie d'en avoir deux. Ça change rien. Hein. De toute façon, je ne peux pas. On est d'accord. Ça sent 160 points parce qu'ils prennent tous les états, quoi qu'il arrive. Quoi. Ils prennent tout le reste. Elle aura pas le même nom. Est-ce que tu as vu ce que j'ai publié sur Facebook sur toi? Ah, pas du tout, j'ai pas Facebook. Le Jibei Sanma. J'aime bien le Jibei Sanma. On va faire ça. Après, c'est vrai que ça fait... En même temps, si je prends des territoires, c'est des usines. Hein. Non, mais... Puis un aéroport. Bon, l'aéroport, à la limite, on s'en fout. C'est vrai, ça fait des usines. Hein. J'ai besoin d'usines. Ah, je fais ça. Y a pas moyen de faire une belle frontière. Comme ça, elle est pas trop mal. Ça, c'est une jolie frontière, ça. On pourrait prendre ça aussi pour avoir une frontière avec le Reich et l'Empire britannique, mais bon. Bon. Bon, ça me semble pas mal. Et le reste, c'est pour le Jibei. Je sais pas comment Hong Kong est passé aux mains des Chinois, mais on le récupère. Ok. Let's go. Fin de tour!
Et c'est finito. Japon a pris 12 états, annexion de la Chine, état libre de Jibei est devenu un état fantoche. Nous devrions donc éliminer les quelques bases restantes de communistes. État libre du Jibei Sanma. Tellement libre qu'il est mon fantoche. 1 million d'hommes. Bah, c'est pas mal ça ce que tu fais mon grand. Bah tu vas me faire des unités hein. Bon du coup, ceci étant fait, on a besoin de ressources neufs là. Tac. Oh bah attends, mais on peut prendre eux quoi. Mais Chine. Ah c'est Jibei Sanma. Attends, je vais faire ça. Prendre eux. Et après eux. Ah, ça on prend le moins possible. Aux États-Unis d'Amérique du Nord. Bon du coup, premier théâtre de guerre. Toi, tu vas aller te mettre sur le front Union Soviétique. Mongolie appartient à l'Union Soviétique en plus. Le Shang-Chi. Si j'attaque le Shang-Chi, est-ce qu'on se retrouve en guerre contre l'Union Soviétique parce qu'il va les rejoindre? We don't know. J'ai pas envie de l'attaquer. Toi, tu vas t'ajouter là-dedans d'ailleurs. C'est bon ça, par exemple. Tu vas te mettre là. Et ça comme ça. Et toi tu vas t'occuper de celle-là. Ah, pas du tout, je me suis planté. C'est good, c'est good, c'est good. Bon, l'armée d'Amérique du Sud, enfin, l'armée du Sud, pardon. Pourquoi l'Amérique du Sud, je ne sais pas. Maintenant, la question se pose. Est-ce que on s'attaque à l'Empire britannique pour aller chercher les ressources ici? Ou pas? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, moi, pour l'instant, je vais pas vous cacher que... On va se mettre en sécurité là, mais j'ai envie de dire non, quoi. Ah, il nous en faut 13 encore. Mais la Chine, elle nous en fait pas. Ok. Bon, les États-Unis, on arrive. États-Unis, on arrive. On va faire la recherche tripartite. On va voir si ça nous déclenche une guerre contre l'Union Soviétique. Si ça nous déclenche une guerre contre l'Union Soviétique... Annulation du prébail. Si ça nous déclenche une guerre contre l'Union Soviétique... tout ça, c'est vite. Hein. Ils sont pas là. Et ils sont en train de se faire manger de plus en plus par le Reich. Donc... Ici, comment ça se passe? Ça a avancé, là? Non. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Bah non, ils sont alliés, je suis con. Ah, t'es plus en guerre contre... Ah, ils ont récupéré ça. Bah non. Quoi? Ah, tu les aimes bien, mais t'es en guerre... Bah non, c'est récupéré par les États-Unis. Ah, du coup, l'Angleterre, elle a perdu... Et l'Irlande. Je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Ici, les frontières d'Amérique latine, ça bouge pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est assez... assez fixé, quoi. C'est assez fixé. Au niveau amélioration de l'équipement matériel d'infanterie, il nous en faut beaucoup. Mais là, ça va commencer à aller vite. Hein. Parce que on va commencer à reproduire fortement. Matériel véhicule motorisé, c'est good. Matériel de soutien, ça va se rebooster un peu. Les chars légers, on va les modifier prochainement. Et les chars moyens, on est en train de produire. Au niveau des avions, on a un peu de stock. Pas énorme, mais un petit peu. Ici. Il n'y a pas d'avion qui... Bon, c'est pas si grave. Tac. Toi. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Améliorer les Marines. Est-ce qu'on peut faire des Marines? Entraînement des Marines. On peut en faire des Marines.
va en faire full, les Marines. Les paras, ça m'étonnerait qu'on ait la possibilité de toute façon de faire des paras qui peuvent aller à l'autre bout du monde. Tu vas les mettre à Osaka. Et toi, tu vas venir là. T'es où, toi? Toi, tu vas venir là. Ok, let's go. Accélération du temps. Et on n'a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer, tout simplement. Toi, tu vas aller là. C'est qui, eux, là? Ah oui, c'est vrai que c'est eux. Pardon. C'est vrai. C'est vrai. La menace de la communiste recule. Très bien. Tu vas à Osaka. Let's go. Et on n'a plus qu'à attendre 76 jours. 76 jours, on fait l'alliance tripartite. Et on voit si ça déclenche une guerre contre l'Union soviétique. Et si ça déclenche une guerre contre l'Union soviétique, eh ben il va falloir qu'on avance très très vite. Je vais faire ça comme ça. Si eux peuvent déjà prendre ce côté-là, on serait content. Toi, tu vas avancer comme ça. Toi, t'avanceras là. Mais du coup, je me retrouverai en guerre contre la Chine communiste aussi. Hein. Je me retrouverai en guerre contre la Chine communiste aussi. Hein. Donc, dans l'absolu, je préférerais à la limite que eux annulent cet ordre et viennent plutôt se mettre ici, par exemple. Faudrait que je refasse quelques unités quand même. Faudrait que je change aussi les unités. J'en suis où en matériel d'artillerie? Faudrait que je regarde aussi les. Les unités là, elles ont quoi? Ouais, voilà, c'est des unités classiques quoi. Mais moi, les unités infanterie d'artillerie là. Tac. Et c'est pareil pour eux. Hein. Faut absolument que je fasse ça. Histoire de up un peu ces armées là, parce que sinon, sinon on n'est pas bon quoi. Là c'est good. Mortier pour grenade ASM. Après c'est 44. Continuez d'améliorer ça. Oh, je peux améliorer les porte-avions aussi. Porte-avions et sous-marins. Ça peut être intéressant de faire. Priorité au rayon d'action. Alors attention. Pris parti, c'est parti. Hop. Est-ce qu'il y a beaucoup d'unités ici? On ne sait pas. S'il y en a beaucoup, c'est chiant. S'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a peut-être pas beaucoup. Hein. On aurait peut-être potentiellement la possibilité d'éliminer la Chine communiste très vite. Parce que le temps que l'armée russe se déplace pour tenir le front, là, on pourrait peut-être les faire tomber. Les Mongols... On sait pas trop si on aura la puissance pour les faire tomber. On sait pas trop. We don't know. Comment? Et du coup, fais voir au niveau artillerie. Artillerie, on a encore un peu. Bon, ça va. Je vais refaire un peu d'infanterie d'artillerie. J'ai 6... Je vais en faire 18. Je vais en faire 18. Tac. Avec 18 de plus, ça nous permettrait de remplir cette armée-là qui pourrait tenir là et potentiellement là. Si jamais. Sabotage! Provocation chinoise? Comment ça? Pas censé. Un excès contre Chine. Mais ils sont sérieux, les Chinois, là? Ils existent plus, hein. Enfin, s'il y a la Chine communiste, mais est-ce que c'est la même? Bon, ça va être un peu excessif, hein.
Ce que je vais faire, c'est que le temps que je suis pas en guerre, d'ailleurs, je vais remplir un peu les... les cuves. Ouais, c'est une idée intéressante, ça. On va vraiment en mettre en quantité. Oh, vas-y, mais en fait, mes fous, là. Remplis-moi. Ah oui, c'est long, quand même. Allez, on remplit un peu les cuves. Force spéciale. Donc, est-ce qu'on part sur... augmentation des statistiques des forces ou sur le nombre? Moi, je suis plus sur le nombre. Comme ça, derrière, je pourrais partir sur des paras aussi. Si jamais on peut. Bonjour, Tintin. La menace communiste recule. Ça, c'est amélioré aussi. Parfait. On pourrait améliorer les paras. 42. Attends, l'artillerie. J'ai de l'artillerie de 39. J'ai oublié d'améliorer mon artillerie, quoi. Véhicule blindé ici. On en est où, là? Bon, là, on est quasi à 100 000, mais bon, c'est pas non plus la... enfin, c'est pas des 100 000 efficaces, quoi. Là, ils disent combien de temps? 59 jours pour avoir le stock. En véhicule blindé, on est en manque. Mais pas pour trop longtemps encore. Il n'y a plus qu'à espérer, quoi. Il n'y a plus qu'à espérer. De toute façon, ça m'étonnerait que la Chine... enfin, si, la Chine communiste a eu a deux pépères, là. Mais bon... j'imagine que nos alliés Manchukuo s'en occuperont. Non? On va pas s'en occuper. Sinon, je mets eux. Hein. Je mets eux vite fait. Tin, ta-la-la, tin. Est-ce que je pourrais pas éventuellement d'ailleurs améliorer mon infanterie d'artillerie? Merde, je veux pas en entraîner une de plus. Pour la faire passer sur un rang à 40, quoi. Parce que j'ai ce qu'il faut au final. Hein. Mettre quoi là-dedans? Ouais, j'ai pas fait mes recherches aussi là-dessus. Ah ouais, on a fait... on est pas incroyable là non plus. Après, le problème, c'est que si je passe à 40 et que j'attaque la Sibérie, le ravitaillement, bonsoir, quoi. Vaut mieux que je crée un modèle. Je vais créer un modèle infanterie 40 et puis on en fera, quoi. Ah. C'est pas dans ce sens, la 40. Infanterie, encore. Artillerie. Ah, ça compte 3. Comment on fait 40 déjà? Ça va être 39, ça. Comment on fait une infanterie de 40? Je m'en rappelle plus. Tout le monde est abonné maintenant, j'ai raté un truc. Avec Captain Sparrow, il a offert un peu beaucoup de subs. Reconnaissance. Génie. J'ai oublié un truc. Bon, ouais, c'est pas grave, hein. On verra. Ce que j'en ferai pas d'ailleurs un peu. Je vais en faire un peu. J'en fais 8. 8 c'est déjà pas si mal. 8 ça représente 2 x 4. Et 2 x 4 généralement c'est positif. Alors ici. Ici. On a ça en plus. Matériel mécanisé. J'ai envie de partir là-dessus. Il faut qu'on modifie ça. Tac. Le pacte tripartite. À voir ce que ça va donner. J'ai pas l'anti-aérien non plus. Hein. Moi je fasse la recherche anti-aérien. Doctrine de l'expansion vers le sud. Permet la décision exigée à l'Indochine.
Après, malheureusement, exiger l'Indochine, on va l'exiger. Signature du pacte. Le gouvernement allemand et italien ont accepté de signer le pacte tripartite que nous leur avons proposé. C'est donc la garantie qu'ils se tiendront à nos côtés en cas de conflit. Parfait. Notre offre de garantir l'indépendance a été acceptée par le Reich allemand. Bon, je sais pas si ça va déclarer une guerre. Est-ce qu'ils vont nous appeler en guerre? Je ne sais pas. Mais... enfin, c'est-à-dire... Où est-ce qu'on le voit? Indépendance garantie. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est juste une garantie d'indépendance. Bon, ils vont peut-être nous appeler quand même. Hein. On va pas s'emballer. Hein. On va passer à 3 de toute façon. Hein. Maintenant, la seule et unique chose qu'on ait à faire, c'est... avancer pour... Est-ce qu'on contourne les Philippines? Ou est-ce qu'on rentre dans le tas? S'allier au Siam. Ça va être bien. Ça, on fait déjà. Pacte de non-agression avec l'URSS. S'il l'accepte, on est content. Et après, est-ce qu'on fait contourner ou est-ce qu'on s'assure les Philippines? Ça va être dur. Attends, le banquier va pas être content. ici. Bon, l'artillerie, on est en manque. Hein. Je vais booster un peu la production d'artillerie. C'est quoi ça, demande d'importation non satisfaite? Bon, c'est bon. Très bien. Marine de niveau 3, ça c'est très bien. Ce qui peut nous permettre donc d'éventuellement réussir un débarquement. Ah, on n'est pas mécontent. Artillerie. On est en 43 bientôt. C'est vrai que j'ai fait zéro recherche là-dedans. Faut que je fasse des recherches là-dedans pour me faire une armée. Enfin, une unité. Voilà. Comment? Bon, ils nous appellent pas à l'aide, les deux là. Parce que c'est vrai qu'au final, l'alliance s'était tendue. Hein. Oh, le Reich, il est tellement en train de gagner. Quoi. Juste que j'y vais. Bon, je trouve ça dommage de pas profiter de la situation en fait. En fait, faut voir. S'ils acceptent le traité de paix, bon, c'est une chose. Pénalité des opérations de nuit, supériorité aérienne plus 5. Pénalité de mauvaise condition. Ça nous fait, ça nous fait plus 15, parce qu'on a un moins 10 chez l'ennemi, plus 5 chez nous. Ça nous fait un plus 15 en tout, quoi. Coque de porte-avions... Chance de repérage des torpilles, j'aime bien l'idée quand même. J'aime bien l'idée. Bon, du coup, là, normalement, coque de porte-avions, on a un nouveau porte-avions, quoi. On a perdu 669 jours de prod, mais bon, de toute façon, on en a déjà, donc... pas si grave que ça non plus, quoi. Bon. Tu peux stopper ton truc, là. Ce que je vais faire, c'est que un truc que je fais, enfin que j'ai pas utilisé encore. C'est vrai que je faisais une pression diplomatique sur l'Inde, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout, hein. C'est plus 20 max, quoi, donc autant dire que ça sert à rien. On pourrait aller là. Et faire une propagande. Faire une propagande pour voilà prier. Provocation chinoise. Les chinois, ça va. Continue d'améliorer notre artillerie. C'est tendu, hein. Parce que là, au final, j'ai des armées qui tiennent le front, mais j'ai pas d'armée pour aller au combat. Peut-être que je m'en fasse un peu, non? Je vais pas en faire que 8. Hein. Fais-en 24. Hein. Déjà, pour commencer, c'est pas une si mauvaise idée, quoi.
Qu'est-ce qui te manque là? Ah, je peux pas le faire. Ok. Bon. L'Alliance nous a pas amené dans une guerre, déjà. Moi, j'ai la sphère de coprospérité de Grande Asie Orientale. On a personne qui est avec nous. Toi, au final... Vu qu'on n'est pas parti dans un conflit... On pourrait préparer un débarquement. On pourrait préparer un débarquement. Je le dis. Dans les Philippines. Pourquoi? Parce que. Parce que l'idée est sympa. Parce que les Philippines, c'est beau. Et parce que si on est prêt, expansion vers le sud. Pacte de non... Ah non, on va s'allier au Siam d'abord. Parce que le Siam, c'est ça. Hein. Le Siam, c'est combien d'hommes? On sait. Pas beaucoup. La chute de Kiev. L'Union soviétique va disparaître. Le pacte de non-agression avec eux, j'ai l'impression qu'il va servir à pas grand-chose. Hein. Par contre, les Russes, en hiver, Napoléon et Hitler ont fait des frais. Ouais, bon, après. À notre époque, l'hiver n'a plus le même impact. Quoi. Ils viennent, eux, là? Vous êtes un peu dans les gars. Du coup, toi, t'es censé être expert en débarquement. Attends, tu l'étais même pas, quoi. Liaison navale. Avantage des bombardements côtiers. Ah oui! Ah, ça, c'est un bon gars. Ça, c'est un bon petit gars, ça. C'est qui ces gars-là? Ils viennent d'où? Pourquoi je les ai fait, eux? On va là-bas. Si on signe un pacte de non-agression, de toute façon, avec l'Union soviétique, ça nous fait un pacte de non-agression avec le Comintern. Si ça nous fait un pacte de non-agression avec le Comintern, toutes les unités qui sont en train de tenir le front face au potentiel Comintern, bah on est content. Parce que du coup, ils sont plus là. Enfin, on n'a pas besoin de les laisser là-bas. 115 jours avant de pouvoir... Oh la vache, ça va être compliqué quand même. Hein. On est en 43. Panama a rejoint l'entente. Le Mexique a déclaré la guerre au Panama. Bon, en attendant, on est enfin en train de construire des usines, hein. On est enfin en train de construire des usines. Je vais booster encore le matériel mécanisé. Parce qu'on en a 125 et bon, voilà. Ils sont pas arrivés encore, voilà. Moi, je les aurais mis là, ça aurait été plus vite. Je pense que potentiellement... D'ailleurs, j'ai amélioré, je dois pouvoir refaire de... C'est quoi ça? Pourquoi ils sont pas prêts? Je ne sais pas. Potentiellement, je dois pouvoir refaire. Mais ouais, je peux refaire de la marine. Je vais refaire de la marine. Multipliant les débarquements. Au niveau qu'on voit, j'en construis d'ailleurs ou pas? Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup là. J'en fais des convois? Ah, j'en fais pas de convois. Bah si, j'en vais. C'est vrai qu'on a 478. Artillerie. La chute de Leningrad. Les Russes sont en train de tomber. Et de céder face à la pression du Reich. C'est la première fois que je vois un Reich allemand aussi costaud. Bah après, d'habitude, je me bats contre lui. Donc forcément, il peut pas l'être. Évidemment.
Mais du coup, ça veut dire que si j'engage une guerre contre... contre l'Union soviétique, la France ne possède pas l'Indochine. Non, contre la Russie. Non, contre les États-Unis. Et qu'il y a une garantie d'indépendance, je peux potentiellement appeler à l'aide... les copains. Je pense que ma comptable va m'appeler pour me demander ce que c'est. Il va se ruiner, quoi. Non, hein. C'est gentil, hein. Bon, vous avez pas d'ordre, mais y a pas de soucis, ça. Coût puissance de commandement, vitesse de préparation des évasions, plus 50%. Oui, bon, ça, je cache pas que... Vous croyez qu'il y a des armées dans les Philippines? Est-ce qu'il y a des armées dans le soutien à l'invasion navale 1? Est-ce qu'il y a des armées dans les Philippines? Parce que s'il n'y a pas d'armée dans les Philippines, on est content. Mais s'il y a de l'armée, on est un peu déçu. Vous croyez qu'ils protègent? Ben, ils sont en guerre en même temps. Hein. Donc ils doivent certainement vouloir protéger là. C'est possible. Je vais peut-être débarquer là. Je débarque là et après on avance vers... Mais comment ça, ça me prend que... Ça m'en a pris que 3. Combien de temps il faut? 49 jours. Est-ce qui pourrait être intéressant? Ouais, non, parce qu'on n'est pas en guerre. On ne sera pas en guerre contre eux, de toute façon. J'allais dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est... la chute de Sébastopol. Ouais, ça y est, le Reich est en train de monter. Chute de Moscou. Bon. Pas sûr que c'est fait. Je vais mettre ça aussi pour gérer... Ah, véhicule blindé, ça y est. On a ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi j'ai des gars tout seuls, comme ça, qui pop? On sait même pas qui c'est, les gars. Pourquoi ils pop d'un coup, hein? Ah, c'est parce que je manque d'artillerie. Ah, peut-être. Peut-être. Effectivement. Bon, je vais mettre... USA. Le SIAM intègre la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Bien joué, ça. Ah, un copain. Bon, le pacte de non-agression, forcément, les Russes vont l'accepter parce qu'ils sont déjà en train de se faire rouler dessus. Je vois pas pourquoi ils se diraient. Tiens, pourquoi pas me faire un nouvel ennemi? Oh, l'idée me plaît. Oh la vache, mais un pro de la para. Des paras. Hein? J'avais pas vu. Mais ils en ont tellement, eux, aussi. C'est pas une excuse, c'est vrai. On va être un gars offensif. C'est des 40, ça? Ouais, c'est des 40. On aura des 40 là-dedans. C'est pas grave, hein. Ils sont tous en train d'arriver, quoi. Ah, bah voilà! De l'armée! Bon, je vais remplir là-bas. Parce que ça, c'est pas des 40, donc c'est pas si gênant. Avion disponible en réserve, c'est très très bien. Qui reste en réserve, les gars? Qui reste en réserve? Je vais booster un peu l'artillerie parce que... On est en manque, hein. Il nous en manque 3000. Si on veut rentrer en guerre et qu'on n'a pas d'artillerie, on est un peu déçu. J'ai normalement, si je dis pas de bêtises, des chars légers. Non? J'en ai 3. Je croyais en avoir perdu, hein. Eh bien écoutez, on va modifier ces chars légers par des chars lourds. Let's go. Grosse division de chars lourds.
une division de... pour percer. Percer les lignes. C'est pas ce que je voulais. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre de l'infanterie mécanisée. Ça aurait été bien d'avoir... de l'anti-aérien. Mais j'en ai pas. Et 30 déjà, c'est bien. Charlot, il nous envoie 440. J'en ai 600, donc autant dire que... De toute façon, je pourrais en modifier qu'une seule. Quoi. Je vais mettre ça. Si je mets ça. Bon, vas-y, je mets comme ça. Ça fait 40. On modifiera plus tard. On modifiera plus tard. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre de l'artillerie. Bon, voilà. Charlot. Charlot. Hop. Hop. Et du coup, Pépère, t'es sympa. C'est vrai. Mais tu vas modifier ça par du charlot. Que tu vas mettre d'ailleurs dans cette armée-là. Parce que pas besoin de l'avoir là-bas. Préfère l'avoir là. Sabotage d'une usine civile. Ça va les gars. Ça va. Bon, on avance. Pacte de non-agression. Provocation chinoise. Bon, c'est vrai que du coup, maintenant, on pourrait se rentrer en guerre contre l'Union soviétique. Ce serait pas un très très gros problème. Hein. C'est en train de complètement se faire marcher dessus par le Reich. Ça perce complètement, quoi. Impressionnant. Les États-Unis qui, pour l'instant, sont assez sereins. Ils disent, bon, c'est la guerre, mais on a juste envoyé nos hommes. Nous, on n'a rien à protéger. On débarque même en Amérique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud a rejoint les alliés. C'est bien beau de les quitter, tout ça pour les rejoindre derrière. Mais bon. Alors qu'ils sont fascistes en plus. L'Australie est, l'Australie est avec personne. On pourrait pas inviter quelqu'un là. Tiens, j'aimerais bien moi quand même. Hein. Ça, je sais pas faire. Je sais pas si on peut inciter les gens à nous rejoindre. Stalingrad est tombé. On a 150 points. Vitesse de recherche aérienne, bombardier stratégique plus 10%, agilité des chasseurs, bombardier tactique plus 20%. je sais pas trop là, qu'est-ce qui est le mieux. Si mon objectif c'est de bombarder les États-Unis. Ça va être les bombardiers de toute façon. Bombardier naval. C'est pas si mal ça. Hein. Parce que si je prends la supériorité navale, derrière on est bien. Hein. Ouais, attends la fin, ne t'inquiète pas. Comment? Je l'ai mis en deux fois, je t'avoue, j'ai triché. Ouais, sur son arrière, plein de billets. Non mais... c'est gentil, merci beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre ça. On peut mettre ça. Aucun modèle. Aucun modèle de quoi? De char moyen. Yes. Mais les chars moyens, on en a pas encore beaucoup en stock. On va pas s'emballer. Char moyen. Oh, j'en ai 334. Hein. Je peux faire du char moyen. Hein. Je vais même remplacer directement ça par du char moyen. Ça fait combien? Char moyen 150. 200. Et à la limite, ici, je peux mettre... Non, je vais laisser comme ça. Et je vais ajouter ça. Hop. Parfait. Du coup, char moyen, il nous en manque 465 et on a 688 char léger. Qu'on pourrait ajouter potentiellement dans une unité d'infanterie, quoi. Mais bon. Alors. Ici, ça en est où, là? Ça avance tout doucement.
Incitant du pont Marco Polo. Pénétration des escortes par les torpilles, efficacité des sorties. C'est vrai qu'on a quand même bien amélioré notre marine. J'ai hâte de voir si je peux prendre la supériorité maritime. Parce que les États-Unis, c'est pas possible. Je suis désolé. Ils peuvent pas tenir l'océan Atlantique et l'océan Pacifique face à une flotte comme la mienne. C'est impossible. Je refuse de le croire. Ce sera peut-être le cas. Mais on sera déçus. Tiens, le Brésil qui tient là, quoi. Oh, on a fini. Pas du tout, j'ai cru. J'ai très très mal vu. On est en 43. Tac, tac. C'est vrai qu'il y a ça là. Hein. Parce que bon, si on se retrouve en guerre contre l'Angleterre, il faudra protéger là aussi. Hein. Parce que là, c'est une percée directe. Hein. C'est qui ça d'ailleurs? Eux, ils sont avec le Comintern. Oh, j'aurais pu me faire tellement avoir. Ouf. Hein. Stabilité à zéro en plus. Alors, fais voir. Histoire d'avoir le contrôle là-dessus. Je sais pas si ça pourrait pousser jusque-là, mais... On pourrait mettre là, éventuellement. J'en mets 4 ici. Pourquoi pas, en vrai, hein. L'anti-aérien, on pourrait potentiellement en mettre, mais faudrait qu'il y ait un danger et que les États-Unis puissent venir se poser dans le coin. Est-ce qu'on pense qu'ils peuvent se poser dans le coin si on prend les Philippines? Non. Non, je ne le pense pas. Non. Ce serait beau, hein. Mais je n'y crois pas. Je vais en mettre 3. Et 10. Je ne suis pas volontaire, tant pis. Salut R2076, ça fait un bout de temps que je suis pas revenu pour te regarder. Est-ce que tu peux m'expliquer le but de ta partie? Mon objectif... Ah bah, attendez. Déjà, on va modifier ça. Mon objectif principal est... Attends. Juste, je veux commencer à produire un peu de nucléaire. Mon objectif principal, c'est réussir le Success Team, bombe nucléaire chez, aux États-Unis avant qu'ils fassent la recherche de la bombe nucléaire. À mon avis, ça va être compliqué parce que là, il me faut encore 602 jours. On ne connaît pas arriver, hein. Mais, d'autant plus qu'on n'est pas encore en guerre d'ailleurs. Mais on va tenter, quoi. Si on peut la poser avant que eux l'aient, on les content. Si ça marche pas, bon, bah, on essaie de les vaincre et puis voilà. C'est l'objectif, quoi. Alors, ici, pacte de non-agression avec le RSS. D'accord. Les États-Unis et l'Empire Pacifique ont signé une paix blanche. L'Empire Pacifique? Je sais même pas qui c'est. Les Philippines. La 10e croisade. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette paix blanche? Attends, mais j'ai fait un de ces trucs, moi. Moi, j'ai pas signé de paix contre eux, hein. S'assurer les Philippines. J'ai pas fait de paix. L'Empire Pacifique. C'est quoi l'Empire Pacifique? C'est. Je ne sais pas ce que c'est. Coalition des États libres du Commonwealth. L'Ordre d'Indonésie. Ah oui, c'est. Il y a full coalition différente, quoi. L'Empire britannique, allié. C'est quoi l'Empire pacifique? Oh, ça m'intrigue tellement. Nouvelle-Zélande? Oh, mais il y a Tahiti, là! Enfin, non, il n'y a pas Tahiti ici, mais... Ah, c'est le Reich qui l'a pris. Ils sont allés se dorer à la pilule. Eh ben, bravo. Les îles Pitcairn. Bon, en tout cas, j'ai signé un traité de paix contre l'Union soviétique. Enfin, pas un traité de paix. Accepte de signer un pacte de non-agression. Elle nous facilite grandement les choses. Clairement. Décolonisation de l'Empire britannique. À minuit, aujourd'hui, le transfert depuis longtemps attendu de la peine de souveraineté aux diverses dépendances de l'Empire britannique sera accompli. En dépit de l'invitation du gouvernement aux anciennes dépendances d'intégrer les alliés, elles sont nombreuses à avoir choisi de suivre leur propre voie.
Le sujet reste très débattu en Empire. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois que ça arrive. Hein. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait potentiellement lâcher ça. Et surtout ça. S'il lâche la Malaisie. S'il lâche la Malaisie. La dixième croisade. Mais c'est où la dixième croisade? Qui a ce territoire? Le Kemet impérial. Qui a la dixième croisade? Ah mais du coup, les États-Unis ont fait la paix contre l'Angleterre. Pas du tout. Livre une guerre offensive contre le Grand Portugal. Ah oui, mais... Les États-Unis ne méritent pas de rester. Je suis désolé. Faut qu'on les élimine. Faut qu'on les élimine. Mais du coup, t'as l'ordre ici, on aurait tellement pu les attaquer, quoi. Le Kermet impérial. Coalition des États libres du Commonwealth. Un agent a été capturé. La chute de Bakou! Ah ah! Très bien, très bien, très bien. Bon. La guerre contre les États-Unis va se lancer dans les prochaines minutes. On attend juste les 70 jours là. Et on a un but de guerre contre eux. Et bah du coup là on est tranquille. Entraînement à la survie. En fait j'ai quand même hâte qu'ils arrivent à l'Oural et que la Russie n'existe plus quoi. Parce que si les Allemands en font un fantoche, moi j'ai plus de problème derrière. J'ai pas fait ça d'ailleurs. C'est une erreur ça. Hitler qui fait bronzer sa petite moustache. Alors. Oh, des Marines encore! Des Marines! J'ai oublié que j'avais fait autant de Marines. On verra. On verra ce qu'on en fait. Ah, 26? Ah oui, ça fait beaucoup. Tu vas pas te mettre dedans, en fait. On va mettre un deuxième. On va mettre un deuxième. Y a pas un spécialisé débarquement. J'en vois pas. Je vais mettre lui. Et je vais l'amener... ici. Pour lancer potentiellement un deuxième débarquement. Genre... Là c'est... on est coincé si on va là. Tac tac. Là ça fait prendre tout le sud. Mais ça fait prendre une grande un grand territoire quoi. On verra. Donc une unité est affectée à cet ordre, mais on n'a pas de bateau de transport forcément. Bon. Artillerie niveau 3. Bon, c'est bien, on a rattrapé notre retard là-dessus. Encore un Marines? Attends, mais combien, quoi? Encore? Bah attends, Bon. Hop! Artillerie. Hop! Artillerie. Artillerie, on est toujours à moins 1800, hein. Manque un peu. Hein. Ok. Ok, ok. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ravitaillement insuffisant. Y a pas de ravitaillement. Ah bon? Ah oui, non mais ça va. Alors ça c'est du 40. Découverte d'une cellule communiste dans l'état. On va venir là. On va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe. Exploiter les... Oh, oh.
Ça nous donnerait un plus 8 en pétrole. Ah oh, mais il y a trop de trucs, plus 12 ici. Mais pourquoi je l'ai pas fait? Moi je fais. Je fais. Bon. Sabotage d'une usine d'armement. Comment? Comment? Qui a fait ça? Oh, les Chinois, ça va. Les Chinois, je vais les attaquer. À mon avis, les Chinois, je vais les attaquer dès que l'Union soviétique a disparu, quoi. L'Union soviétique, de toute façon, c'est bientôt fini dans... allez, en novembre. Novembre, l'Union soviétique, c'est fini. Logistique. On va pouvoir ajouter ça, d'ailleurs. Dans mes... Hop. 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 Et toi. Ok. Let's go. On va améliorer. Faudra qu'on mette mécanique, mais enfin le truc de réparation, mais bon, on verra après. Nous verrons. Salut Berlinois, bon appétit et bonjour Raftal. Ah, on arrive, on va pouvoir attaquer la Philippine, les Philippines, on est en 43. Bon, Pearl Harbor va arriver un peu tard, hein, mais bon, pas très grave. Pas très grave. C'est vrai que du coup, ça me donnerait presque envie de faire une partie avec le Japon, mais avec dans une partie classique, quoi. Parce que bon, je me suis pas du tout retrouvé dans la guerre mondiale, quoi. J'ai fait ma petite guerre contre le Guangxi, ma petite guerre contre la Chine. Puis derrière, plus rien, quoi. S'assurer les Philippines. Bon. À nous, le but de guerre, ordre d'Indonésie et Malaisie-Britannique. On y va? On est parti? On a peur? On stresse? On panique? Oui. Je vais attendre juste que eux... Il se regroupe au niveau d'un port. Ah, tiens, pourquoi pas là? Histoire qu'ils puissent aller en renfort derrière. Si on arrive à débarquer. En vrai, dans l'absolu, c'est même mieux d'aller de les amener là d'abord. Hein. Ou là, à la limite, peu importe, hein, ça change pas grand chose. J'aurais dû le faire avant. Ah, ils étaient pas tous là. Le Paraguay a rejoint le Comintern. Le Mexique a déclaré la guerre au Paraguay. Je suis pas sûr que ça va sauver l'Union soviétique, tout ça. Pas sûr du tout. Bon, let's go! Allez, j'y vais. On attaque les Philippines. Ce qui va nous amener dans une guerre contre les États-Unis. Les Philippines, c'est... pas grand-chose d'intéressant, hein, c'est du pneu, quoi. Deux pneus, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Mais derrière, c'est juste. C'est les seuls représentants des États-Unis dans le coin, quoi. Après, t'as les îles des États-Unis, certes. Mais ça, on le fera au fur et à mesure, quoi. Let's go! Déclarer la guerre. Assujettir priorité. Appel aux alliés, non. On verra ce qu'il fait. C'est fantoche, est-ce que ça déclare automatiquement la guerre contre les États-Unis? Je ne sais pas. J'imagine que oui. Hein. Mais j'ai jamais fait. Donc, let's go. En avant. Japon a déclaré la guerre aux Philippines. Ah bah l'axe est là du coup. On appelle tout le monde. L'Empire du Manchukuo a 80 divisions. Eh, ils en ont fait 22 quand même. Ils ont pas traîné les mecs. L'État français. Et là, les alliés. Du coup on se retrouve dans une guerre face aux États-Unis, Philippines, Équateur, Panama. Pour lequel les États-Unis sont en guerre contre les alliés et l'Axe depuis très longtemps. Et forcément, c'est nous qui allons arriver et changer les choses. Eh ouais, non mais évidemment. Coup en puissance de commandement. C'est ça, hein. Let's go.
Est-ce que j'ai la supériorité maritime? Le Japon a appelé le Siam. Je l'active. Pacte de non-agression avec le Reich. Ah, avec plaisir. De toute façon, on est déjà en pacte de non-agression, hein, nous. Mais bon. Oh, ils sont en train d'arriver. Merde, je me suis planté. Mais c'est pas ça que je veux faire. L'Équateur a rejoint les États-Unis dans la guerre japonaise, machin. Canada. Unitariste. Pacte de non-agression. Avec plaisir. Moins on a d'ennemis, plus on est content. Ah, ils veulent m'envoyer des ressources. Ils m'envoient de l'artillerie, les gars. Ils ont bien compris qu'on n'en avait pas. L'État français et Philippe Pétain qui veut faire un traité de paix. Enfin, un pacte de non-agression, pardon. Alors, ceci étant fait. Tout droit vers Manille. Toi, tu vas aller chercher ça. Il y a un débarquement. Les États-Unis, ils arrivent déjà. Toi. Encore 8 jours et je peux débarquer ailleurs. Les États-Unis ont été repoussés. Bon, alors, officiellement. Officiellement, on tient. Pourquoi je peux pas avancer plus loin, là? Il va falloir que je les approche au fur et à mesure pour avancer. Bon, très bien. On a encore des navires en stock. On va patienter tranquillou. Ah, il y a des Américains! Il y a des Américains! Fais voir, l'Équateur, c'est 12 à 41 divisions quand même. Hein. C'est pas non plus. C'est pas Joel rigolo. Hein. Tiens, viens là. Tout le monde n'était pas venu d'ailleurs. Peut-être mettre là. Ok. Non, par contre, ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut être en guerre avec eux et leur demander de la. Non? Alors demandez les ressources. Ça passera pas, je pense. Hein. Prends un seul et enferme-le. La marine, c'est étendu. Oh, il y a les Philippins. Artillerie. Ça a bugué. Non! Qu'est-ce que c'est? Le Reich allemand a pris 160... Ah oui, d'accord, c'était le traité de paix avec l'Union soviétique. Annexion de l'Union soviétique. Royaume du Portugal, Mexique, République populaire de Pologne. L'Empire chinois est devenu fantoche. État galicien... Bon, bref. Je sais pas que c'est des choses. Regardons un petit peu. Le Reich allemand... Ah oui, ils ont vraiment pris... ils ont pris absolument... tout l'Union soviétique. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, là, normalement, on a... bah, on a rien du tout. Hein. Le Reich est là. Ça va tourner... le Mexique va se retourner vers les États-Unis. Et bah voilà. Le Reich, il s'est fait plaisir. Le Reich s'est fait plaisir. Peut-être que les USA au nucléaire vont utiliser l'arme atomique. Ouais, 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 mais il faut que je sois sur place, quoi. Faut que je sois sur place pour faire ça. Et pour l'instant, on ne l'est pas. Pour l'instant, on ne l'est pas. C'est pour ça qu'on commence par les Philippines. Ça nous donnera un pied à terre, j'ai envie de dire. Et après, on ira attaquer les différentes îles au fur et à mesure pour s'en approcher. Sachant que j'ai déjà ça. Et pep, bien sûr. 200, là. Bombardier naval. Tu vas m'attaquer là, toi, hein. De supériorité aérienne là, hein. Évidemment. Pourquoi on n'aurait pas la supériorité aérienne dans le coin? Bombardier de l'entre-deux-guerres, chasseur embarqué. C'est beau ça. Ah, ça c'est beau. Avion de transport, on en a 36. Chasseur de l'entre-deux-guerres, ouais, 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 ouais. C'est le bombardier naval hein, qu'il nous faut de toute façon. Tac.
Ah non, ça s'est embarqué ça. Yes. Histoire de prendre la supériorité aérienne là. Faut voir du coup protection des îles si on se fait attaquer ou pas quoi. La Roumanie a rejoint le Comintern. Qu'est-ce qu'il veut? Non, pas de nom d'agression. Oui, oui, mais moi, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai rien contre vous, les gars. Sachez-le. Moi, tout ce que je veux, c'est attaquer la Belgique réexiste. Tout ce que je veux, c'est attaquer nos amis... américains. Deux jours et on fait le débarquement au sud de... des Philippines. Non? Let's go. Let's go, let's go. Et là, on est en train d'avancer. J'espère qu'ils ont de la protection pour Manille. Parce que malheureusement, c'est en train de tomber. Bon, roquette anti-aérien, ce serait bien de faire la recherche. Là, on est en train de faire... On est en 43, on va aller chercher ça. Non, 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 je vais pas aller chercher ça. Je vais aller chercher ça. Si j'arrive à avancer jusque Manille, toutes ces unités-là sont coincées. Hein. Ah oui, bah forcément, parce que j'ai acheté beaucoup à... J'ai acheté beaucoup à nos amis américains. Le Reich. Très bien. Moi j'ai vraiment... mon score de participation il est à 1%, on vient d'arriver quoi. J'ai vraiment pas du tout l'objectif de conquérir des territoires. Hein. Non mais je préfère le rappeler. Non ça c'est du 40, je vais pas le mettre là, hein, t'es fou. Je vais le mettre là. Moi mon objectif c'est vraiment uniquement et simplement... Pourquoi attaquer le... ça là au final? Non mais ouais. 10 jours. Mais pas carrément. Pourquoi je fais ça, vous allez me dire? Bah... Parce qu'il faut. Ça nous fait une victoire supplémentaire. Ah, ils vont peut-être, il va peut-être rejoindre les États-Unis, mais. Nouvel Empire mongol a signé un traité de paix. Ouais, mon objectif, c'est pas du tout de prendre des territoires. Moi, c'est vraiment uniquement et simplement mettre la bombe nucléaire sur les États-Unis. Ils ont beaucoup d'unités. Hein. On les voit même pas. On sait même pas ce qu'on a en face de nous, quoi. Établir un gouvernement de collaboration du clic du club central. Non, non. On veut pas. Allez, va me chercher, Manille. L'Empire de Chypre a signé un pacte de non-agression. Oh, j'ai débarqué là. Ah oh, oui, c'était pas prévu ça. Enfin, c'était pas prévu. Donc on avait pas fait attention. Enfin, on avait pas fait attention. Enfin, si, on avait fait attention. Comment? Ah mais là, il n'y a pas un port. Mais s'il y a des unités ici, c'est foutu. Mais fais-moi le tour. Grand Portugal à l'annulation des prébails. Bon, ça va. Ils sont pas sans... Yeah. Ok. Le Brésil qui veut faire un traité de paix. Mais avec grand plaisir, mon grand.
Bon, le débarquement, il a raté ici. Ce qui est plutôt problématique, parce que du coup, j'ai des unités qui vont pas avoir de ravitaillement. Je pensais pas que ce serait raté aussi vite. Shanxi a fini sa... Enfin, non, le Japon a fini sa conquête de Shanxi. On est en place? On n'est pas en place, les gars, encore. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Bon. Tu vas tout faire aujourd'hui? Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Au sud, c'est surtout le sud qui compte. Yes. Bon, les unités qui malheureusement risquent de ne pas bouger. À moins que... Alors peut-être... Oui, ils font rien. En position, ouais. Ouais, globalement ils y sont. Bon, j'attaque. Non, j'attends que là ce soit fait parce qu'il y a quand même du monde ici. Hein. Je vais partir comme si ça allait être facile et je vais me planter. Donc, ne faisons pas l'erreur, s'il vous plaît. Restons concentrés. Le Manchouk me file même pas les ressources. T'es pas censé être mon pote, toi Dis-donc. Dans ce bassin. Oula, bah. Eh, mollo, hein. Pourquoi il est pas content, lui? Faut que je fasse un investissement un peu chez lui. Je peux pas faire grand chose, hein. Bon, on verra. On verra, on s'en occupe pas. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'était une guerre contre les États-Unis. Et on y est. Oh. Ah oui, il y a du monde, quand même. C'est vrai que du coup, si j'arrivais à prendre le port, on serait quand même plutôt très très content. Parce que là, ils ont plus de ravitaillement. Le problème, c'est qu'on n'y est pas. Quoi. La chute de Manille. Ah oui. Ah, eux sont foutus déjà. J'avais même pas vu. Manille est tombée. Oh, bah, on a des chars lourds en plus. Eux n'ont plus de ravitaillement. Ça, c'est fait. On va pouvoir faire autre chose. Mais attends, mais comment ça se fait que j'ai si peu de ressources là? L'Empire britannique, tu veux pas me filer un peu de... Vas-y, vas-y, passe. Aïe, aïe, aïe. C'est en train de passer, mais... attendez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Oh oui, on est passé. Maintenant, vous tenez, les gars. Maintenant, vous tenez la ligne. Tenez la ligne. Toi, ça te dit pas de venir là? Hein? Ça peut être une idée sympathique. Ah, tous ceux-là, ils sont morts. Manille est pris. Oh, ils sont débarqués là? Ah, putain, j'ai cru que c'était les États-Unis. Tout va bien. C'est pas possible. Ils peuvent pas, ils ont pas le droit de débarquer. J'ai la domination maritime, ils ne peuvent pas débarquer. Ils ne peuvent pas. They can't be... He can't... voilà. It is not possible. Faut que je prenne une ville de plus. Bah elle est là, hein. Une ville de plus et ça devrait tomber. Un. Et un. Yes. Ça tombe. Capitulation. L'état galicien nous invite à signer un pacte de non-agression. Mais bien sûr, la Galice... Bien sûr, bien sûr. Capitulation ici, normalement. De nos amis. Voilà. Charlot, il faut qu'on reproduise un peu quand même. Ça peut être pas mal. Quand même. Oh non, on est à 20%. Vraiment, il faut que je prenne la dernière ville, quoi. Un peu déçu. Merci beaucoup, Blinch Daddy. Bienvenue à toi.
Costa Rica nous invite à... Costa Ponte, pardon. Bon, ici, là. Vous croyez que ça va passer? Oh, je me lance dans cette guerre. J'ai envie de la faire, cette guerre. Voilà, écoutez... Ça n'a aucun intérêt, hormis le plaisir d'attaquer, quoi. Ça peut aller vite, hein. Souhaite intervenir dans la guerre Philippines et... Bah, bien sûr. Ah, mais il a rejoint déjà... Non. Ok. Bon, là, ça ne passe pas. On va pas s'embêter. La marine, ça allait poser. C'est tout ce qu'on voulait. Cette marine-là, du coup. Cette marine-là, elle va stopper son objectif ici. Elle va se mettre là. Putain, il me restait des gars. Ah, il m'en restait 5. Oh, j'aurais pu refaire un débarquement. Merde. Capitulation des Philippines. On n'a pas récupéré grand-chose, mais c'est parfait. Hirohito a annoncé que les Philippines n'étaient plus en mesure de résister aux écrasantes forces japonaises. Bon. Ce qui veut dire que normalement... Il reste plus que les Américains. Et donc, une puissance un peu plus limitée. Comme ça. Ok. Pa-pa-pa. Mais c'est pas bon encore là? Pas près de les vaincre les États-Unis. Hein. Non, 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 c'est 40, ça, pardon, excusez-moi, je suis. C'est une erreur. C'est une erreur. Est-ce qu'on avance là? Oui, là, ça avance. Hein. Ça avance, ça avance. Chantier naval! Je vais ajouter convoi en construction. Pourquoi, me direz-vous? Pour multiplier les débarquements? C'est où convoi? Multiplier les débarquements. Très bien, très bien. Équateur, Panama et Shang-Zi qui est une autre faction. Bon, on verra. Voilà, ils ont plus de ravitaillement, hein, de toute façon, donc ils vont mourir. J'aimerais juste faire un petit débarquement pour finir officiellement. Ça, là. Finir officiellement ici. Voilà. Combien de temps ça va prendre? 49 jours? Oui, c'est un peu long. C'est un peu long. Tu veux venir dans la guerre? Bien sûr. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ouais, ici, ça pêche bien. Bon. Maintenant, il va falloir multiplier les débarquements pour prendre les petites îles. Ah ouais, bien joué, on a fait couler un sous-marin. Alors après, prendre les petites îles, pas forcément. Il faut surtout, parce que là, on est déjà bien. Il faut aller chercher Midway. Faut aller chercher Midway, puis Hawaï. Et après, on a une portée possible sur les États-Unis, sauf qu'ils sont en train de tomber face au Mexique. Oh, les Philippines, elles sont là. Comment? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Le Siam veut nous rejoindre. Ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr, tu peux venir, le Siam. Alors, ici, pardon, excusez-moi. Voilà, parfait. Très très bien. La marine qui fait son boulot. Attaque ici, ça, pour finir les Américains. Et après, vous, vous pourrez vous positionner pour repartir en soutien. Bah, on sait pas où, en fait. Hein. Capitulation de la République populaire de Roumanie. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi ils ont capitulé? Par contre, toute l'Europe, elle est... elle s'entend bien avec le Reich, quoi. On ne dira rien. Ok. Vous, vous allez venir là. Là, c'est... Encore un peu de temps. Ici, c'est fini aussi. Vous avez préparé la suite. Sont tous là. Hein.
J'imagine que oui. Toi, tu vas aller là-haut pour grossir les lignes. Là, on est en train d'avancer. Ça va tomber. Hein. On va les vaincre. On va les vaincre. Il restera l'Empire chinois, mais bon, ces fantoches des Anglais, bon, ça nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Toi, tu vas venir là. Tu vas te rapprocher au maximum d'Hawaï. Et on va tenter de débarquer à Hawaï. On va amener notre flotte. Attaquer la région par le sud. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Il n'y a clairement aucun effet, cela peut s'expliquer par la situation mondiale actuelle. Singapour plus 12 plus 6, Tankin. Contrôle entièrement l'état de Singapour, Bornéo. Ouais, c'est attaqué. Ouais. Nous ne remplissons pas les conditions. Ah ouais ? Ah, je remplis pas les conditions, carrément quoi. Je sais pas. Ok. Ok, ok, ok. Modernisation des bombardiers. République dominicaine. Alors, les navires pacifiques là. Déjà, il y a l'impression qu'ils sont en train d'être de moins en moins. Vous allez vous mettre ici. Je vais ajouter ça. Là-dedans. Et on va les amener là aussi. Hop. Il va falloir venir prendre le contrôle, les gars. D'Hawaï. Oh, la supériorité maritime. Ah bah, on est content. Hein. C'était pas très dur, peut-être, vous allez venir, mais on est quand même content d'avoir fait. Eux, on les ramène, on va débarquer à Hawaï. On est en 43. Bon, je produis toujours pas de bombe nucléaire. Hein. Donc, bon, dans l'absolu, là, tout de suite, ça sert à rien. Mais on n'est pas si loin de l'objectif. 455 jours avant d'avoir. J'ai presque envie de dire que, vu la puissance que j'ai, une petite guerre contre les Anglais pourrait me plaire. Hein. Non, en vrai, je vais pas attaquer les Anglais. Je pense que je vais attaquer eux. Je peux déclarer la guerre en plus. Parce que j'ai l'objectif de guerre. Donc, ah, ça fait beaucoup de monde. C'est un peu chiant. Yes, hein. Yes, hein. Le temps que tout se fasse, autant les occuper de l'ordre d'Indonésie. Hein. Prendre toutes ces ressources, là. Tous ces pneus, tout ce pétrole. Ça va être sympa, hein. Ça va être sympa. Eux, ils sont seuls. Ils ont de la ressource aussi, hein. Parce qu'on n'irait pas conquérir l'Australie. Non, mais maintenant, on peut se le permettre. Oh là là, ça avance fortement. Ah, mais non, Orange, c'était le Manchukuo. Ah ouais. Le Reich en Asie. Ouais, bah ouais, ils sont... ils ont fait capituler... l'Union Soviétique. Ya, l'Union Soviétique. Ah, j'ai pas fait de recherche en même temps. J'ai tellement l'impression de pas avoir arrêté mes recherches, et pourtant... j'ai mis la priorité sur la marine, quoi. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Bon, 16 jours. Et eux sont en train d'arriver, on va préparer aussi. Hein. C'était pas évident à prendre Hawaï. Hein. Ah, on a le souvenir, on s'était un peu galéré. Hein. Prendre d'abord le port et puis on verra quoi. On s'était un peu galéré quand on avait joué la France. Je sais plus quelle France on avait joué. C'était la Pologne peut-être. C'était peut-être la Pologne. Bon, ici, Shaanxi, il reste une ville à prendre, quoi. Allez, juste ici. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Toi, continue de grossir le rang là. Au niveau artillerie, il nous en manque toujours 3000. Hein. La Hongrie a rejoint l'axe. Ça n'a plus aucun impact. Hein. Fais voir les États-Unis, ça... il n'y a toujours pas un débarquement.
Mais j'aimerais bien voir ça un jour, quand même. Voir le Reich débarquer. C'est... Enfin, si là, c'est pas censé arriver maintenant, quand est-ce que ça arrive, quoi? Est-ce que l'IA est capable de le faire? Alors, toi, t'as pas de convoi, mais ça va arriver. La Hongrie a rejoint le Pérou, ouais. 4 jours. Attends, c'est où? Là. T'es sûr que t'as pas de convoi? 0 division affectée. Parce qu'on est à 753, c'est pas si mal quand même. En 47 jours. On va simplement terminer les Philippines en récupérant ces bouts là. Après, il y aura là aussi, mais bon. Voilà quoi. Let's go! Est-ce que les Américains sont partis? Est-ce qu'ils ont abandonné le territoire? Capitulation du Shaanxi! Grande nouvelle. Alors, le Siam, peut-être pas. Je peux filer ça. Ça. Et moi, je prends ça. C'est pas mal comme ça. Terminé. Je l'ai partagé en 3. C'est beau! La cohabitation entre nous, les gars. Même si vous êtes plus prêt à faire. Exportation de la dépendance vers le pays maître, plus 61. À 811 sur 1005. Bon, du coup, eux n'ont plus rien à faire. Pour ça qu'une attaque contre l'Angleterre. Point plein. Ah bah non, je suis bête, je suis en train de faire ça alors qu'ils sont en train de lancer le débarquement. Quoi. Vive la paix. Ah, je sais pas si c'est vive la paix, mais en tout cas, on a gagné. Est-ce qu'il y a encore des Américains dans le coin? À la limite, eux, ce que je peux faire, c'est les amener... Non. J'allais dire, c'est les amener sur le... au Japon, quoi, sur l'île. Mais... L'intérêt est quand même plutôt limité, bien sûr, Italie, tiens. Italie, on est copains. Ta-ta-ta. Alors, ici, on est passé. On va soutenir là. Ah bah, il faut passer. Je peux aller là. Comme ça. Le débarquement se fait. La mort du tsar Boris III de la Bulgarie légionnaire. C'est pris. C'est pris, c'est pris. Non mais c'est trop une misère. Tu vois, il y a encore ça à prendre et ces deux-là. Faut faire tellement de débarquements, quoi. La Hongrie, ok. Alors, vu que ça s'est fait, on va amener des unités ici. Hop. Et dans 45 jours. 45 jours, on peut tenter de prendre Hawaï. Logistique niveau 2. Hop. Attends, on n'a pas fait ses recherches. C'est incroyable en vrai. Toi, tu vas te mettre là. Là, ce que je vais faire avec eux, c'est que je vais faire une ligne. Genre comme ça. Histoire que ça les ramène tous. Comme ça, on n'est pas si mal. Tu peux pas aller là, on est d'accord. Hein. Non, tu peux pas aller là non plus. Évidemment. Alors, mais j'avais encore des... Ah, j'en ai encore 5 ici. Bon, en vrai, dans l'absolu, tout de suite maintenant, là, on peut faire ça. Je pense qu'il n'y a pas d'armée. Je pense qu'il n'y a pas d'armée.
pareil, je vais les ramener là parce que le ravitaillement est limité. C'est quoi? Suprématie dorsale hawaïenne. Oh, dis donc. Dis donc, dis donc. Tu serais pas en train d'essayer de prendre la supériorité aérienne là? On aime pas beaucoup ça, mon grand. Hein. J'en ai d'autres? J'en ai pas l'autre. Alors, c'est un peu loin. Un petit peu loin. On n'a pas d'autre avion là? C'est pas ça. Quoi? Ouais, nous là. Normalement, on pourra le prendre, hein, de toute façon. Parce qu'on a une partie de l'armée qui n'est pas utilisée. Hein. Blindage, porte... pont d'envol plus 25%, c'est pas si mal. Hein. Portée max. Navire d'escorte. Portée max des navires d'escorte, c'est pas mal non plus. Hein. Je vais faire ça. On va faire ça. Let's go. Let's go, let's go. Bon, c'est vrai que du coup, j'aurais dû construire plus de convois. Parce qu'avec plus de convois, on peut multiplier les débarquements. Et avec plus de débarquements, on peut multiplier les assauts. Ça aurait pu être une idée intéressante. Parce que là, du coup, on a beaucoup d'armées qui va servir à rien, quoi. Je vais leur préparer ça comme ça. Hop. USA, là. Ils sont revenus, hein. Non, c'est pas eux. C'était qui? Qu'est-ce que j'avais amené là? Ah, vas-y, c'est bon, c'est ça. Ils sont partis. Ils sont partis, ils sont partis. Alors, là, on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'unité. Et là, c'est 50 sur 70. Est-ce que notre flotte en mer du Japon peut venir aussi s'occuper de ça? Oula, attention, la mer des Mariannes. Là. Attention, la mer des Mariannes. Hein. On va ajouter ça. Alors, on a de l'armée pour tenir, mais tout de même! Restons concentrés. Modernisation des bombardiers. Bombardier tactique. Bombardier de l'entre-deux-guerres. Bombardier de l'entre-deux-guerres. On va mettre là. Gardons la supériorité aérienne. Ici, du coup, développement des bombardiers. Et là, on n'a pas récupéré encore la supériorité maritime. Ça ne saurait tarder, j'ai envie de dire. Je vois pas comment on pourrait pas la récupérer, de toute façon. Ouais, tout le monde est là, en fait. Tu m'enlèves ça. Ça, c'est la mère de Chine qui va gérer ça. Attends, on l'a pas, hein. Ah, si! Let's go! Regarde. Oh, ça a pas tenu. Mais là, on est bon, hein. Dès que je peux... Enfin, dès que j'ai les 50%, il faut qu'on y aille. On y était, hein. Oh, on y était. Un sous-marin. C'est parti. Non? Plusieurs unités affectées n'ont pas encore atteint la destination. Ah mais non, mais c'est bon. Ah ah! Voyons. On passe juste à côté. C'est quelle île, ça? Les atolls de Johnston. Ils nous voient passer. Ah tiens, on a vu les Japonais. On sait pas où ils vont. Ils sont pas arrêtés chez nous. Et on est parti sur Hawaï. Évidemment. Ça, il y avait un gars là. Compagnie de maintenance.
Tu pourrais faire des protecteurs des côtes au cas où. Ouais, j'en ai déjà. Capitulation de la République de Socialisme Mexique. J'ai protection des îles à... Qui gère. Oh, direct. Oh, bah trop facile. Bah, y'a un Allemand. Ah bon? Tiens, bah, va là-bas. Va là-bas. La chute de Pearl Harbor. Les forces japonaises ont déferlé sur Honolulu, la plus grande ville de l'île hawaïenne d'Oahu, et en ont pris le contrôle. La base de Pearl Harbor, qui abritait le quartier général de la flotte pacifique américaine, est tombée. D'après les témoins des marins américains, ce serait retranché sur l'île de Ford afin d'organiser la résistance avant de subir d'intenses tirs d'artillerie et bombardements aériens. Maintenant que l'île est passée sous son contrôle, la mainmise de la marine impériale japonaise semble inévitable. Bleu. Allez, c'est parti! On vient prendre le contrôle ici, les gars. Et on s'amène là, hein, forcément. Hop. Vous venez ici, les gars. Je vais vous enlever des objectifs de contrôle par ici. Hop. Je vais les ajouter au Japon. Et à la mer de Chine. Voilà, très bien. Police militaire. Ah, c'est beau. Police militaire, on va faire la prochaine. Booster un petit peu la police militaire, on n'est pas mécontents. Et puis voilà. Que dire? Que dire à part victoire? Quel dommage qu'on n'ait pas encore de bombe nucléaire. Parce que là, on est sur le point d'y aller. Hein. On est sur le point de la lâcher, la bombe nucléaire. Pearl Harbor V2. Moteur fusée. Un jour. 75, ça va vite. Hein. Hop. Très bien. Oh, 1000 avions. On peut mettre 1000 avions ici. Appui arrière rapproché. Ça fait quoi que... Ah, mais on peut attaquer les navires ici. Avec l'appui arrière rapproché. Bombardier de l'entre-deux-guerres. Bombardier de l'entre-deux-guerres. Let's go. Hein. Gardons la supériorité maritime autour d'Hawaï. C'est une erreur des États-Unis d'Amérique du Nord, clairement, d'avoir cru. D'ailleurs, je construis pas encore. Ah, bah, c'est tellement long pour construire ça, quoi. Artillerie tractée 48. Merci beaucoup, hein. C'est gentil, les gars. C'est gentil, c'est gentil. On a perdu 29 000 hommes, hein. Tout ça pour prendre les Philippines et Hawaï. Hein. On ne dira rien, mais on est bon. Toi, tu y vas. Let's go. Toi, tu vas me faire un débarquement aussi. Là. Ok, là on est passé. Oh, j'en ai envoyé 5. Hop. Je pensais en avoir envoyé un seul, quoi. Voilà, on termine ça. Parfait. Il n'y a plus de Philippines. Philippines a disparu. Bon, du coup. Développement des bombardiers stratégiques. Bataillon cycliste. On l'a jamais fait, on sait pas ce que c'est. On en est où sur la puissance supériorité? Pas être évident de la prendre, j'ai l'impression quand même. Hein. Va falloir peut-être lâcher un petit peu de présence par, dans le coin. En même temps, mer du Japon, on n'est pas besoin d'être aussi nombreux. Hein. C'est vrai. On n'a pas besoin d'être aussi nombreux. Hein. Maintenant qu'on tient à Hawaï, ils ont plus beaucoup de points de départ pour remettre une supériorité maritime. Hein. Et puis de toute façon, j'ai toujours des bateaux qui mettent une supériorité ici. Hein. Non ?
Je les ai pas mis. J'en ai pas mis l'ordre, dis-donc. On leur a pas mis l'ordre, dis-donc. Ouais. On est protégés. On est protégés par nos avions. La taille du Reich me fait rire. Une fois, j'ai battu le Reich avec des bataillons cyclistes néerlandais. C'est vrai. C'est drôle. C'est vrai que le Reich était énorme, hein. Pour le coup. 273% de tension mondiale. Hein. Oh! Victoire. On a coulé 3 convois. Ici. 3 convois. Ici. 3 convois. Qui sait, c'était peut-être des troupes en plus. Et encore 3 convois. Pff, on a une bataille ici encore. Boum! 3 convois de plus alors qu'il y avait une flotte. Hein. Il y avait une flotte. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Là, c'est bon, c'est pris. Yes. Tu peux arrêter ton objectif, toi. Mais par contre, comment on le ramène, lui? On peut pas le ramener. On peut pas le ramener, lui. C'est vrai? Il est bloqué sur l'île, là. Il n'y a pas de port. Oh, tant pis. Tant pis. C'est la vie. Merci beaucoup, Sabotuber, bienvenue. Est-ce que je peux me permettre de faire ça? Ou est-ce qu'il y a trop de monde? Comment ça... On n'est pas censé avoir ça, là. Hein. C'était où? Là-haut. Est-ce que ça y va? Pas trop dur le Japon. Bah écoute, le début s'est pas forcément passé exactement comme je l'aurais imaginé. Mais au final, on s'en sort. Hop, ça s'est pris. Bien joué, c'est un beau boulot. Beau boulot! On a une autre île américaine là dans le coin ou quoi? Alors eux, bon, on pourrait potentiellement les attaquer, mais bon, voilà. Et il y a celle-là, là, aussi, bah bien sûr. Mais pourquoi on n'y va pas? Comment ça? Pourquoi t'es... Une bénédiction des effets de Tora, Tora, Tora. Idée caduque. C'est quoi, ça? Je sais même pas ce que c'est. Pourquoi... Je sais pas ce que c'est, Tora, Tora, Tora. Bon, fais voir. On l'a pas, hein. On l'a pas, la supériorité maritime. On aurait peut-être dû prendre ce port, hein. Ah, mais il y a ceux-là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Pardon, excuse-moi, c'est involontaire. Il y a trop de monde là. Nouveau théâtre. On va mettre un nouveau commandement là. Tac. Force de frappe. Ah bah non. Ok. Ça. Ah, c'est l'Empire Pacifique. C'est beau. Non? Ah, oh, y a trop d'îles, c'est une misère en vrai. Il y a trop d'îles et trop de ports, quoi, du coup. Mais pourquoi je peux pas attaquer, là? Pourquoi tu veux pas faire ton ordre, toi? Hein? L'élan. J'ai personne qui tente un débarquement, donc forcément, j'ai ce qu'il faut. Aucune unité affectée à cet ordre. Mais comment ça? Mais j'ai pas de débarquement. Quoi?
Oh bah super! Tout le monde est parti, quoi. Annulé. Bah, tout à l'heure, j'ai réussi à le faire... Quoi? Je me suis planté. Attendez. Hein? 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 Bon, ça, c'est... la fameuse logique, tout le monde a bougé, du coup... Ah, ok, bah, on se déplace. On va changer de deal. Écoute, on sait pas trop quoi faire, quoi. Bombardier stratégique, bombardier chasseur embarqué. C'est vrai qu'on pourrait mettre quelques zéros là. Hein. J'en ai pas mis encore des zéros. Ils sont où mes zéros? Chasseur embarqué zéro. Ouais, c'est juste histoire d'élever. Ça n'a aucun intérêt. Hein. On est parfaitement d'accord. Hein. Bon, du coup. Tu vas où, toi? C'est bon, t'es en position, toi? Tac, tac, tac. Pourquoi y a pas... Mais tout à l'heure, ça a marché, je ne comprends pas. Je l'ai fait là? J'ai plus où? Là? Si c'était un problème de suprématie, je dis pas, mais un bataillon cycliste. Infanterie cycliste, recherche terminée. Mais c'est quoi du coup, infanterie cycliste? Ça veut dire qu'on peut, on peut faire des cyclistes? Oh, le délire! Ça sert à quoi? À quoi ils servent en vrai? Ils se déplacent plus vite que les soldats au sol, mais fais voir. Attendez, c'est où? Attaque 13-2-0-40. 13-2-0. Ah, mais c'est trop bien, ouais. Percée 6. Perforation 10. Répression 2. ENMI. PV 22-75 d'organisation. Ah, ils ont un peu moins de points de vie, quoi. C'est drôle, ça remplace la cavalerie. Ah non, hein. Ah, rien ne remplace la cavalerie. Bon, je sais pas comment aller prendre cette île. Très bien. Police militaire de niveau 3. Ça. Et on en est où au niveau puissance maritime? En fait, j'ai full navires qui n'ont pas accès. Il faut absolument que je prenne cette île-là. Il faut absolument que je prenne ces deux îles-là. Faut que je prenne ces deux îles-là. Le seul souci, c'est que... Mais là, je peux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi d'un côté je peux et d'un côté je peux pas. C'est incompréhensible. Bon, c'est pas grave. Après, je vous dis, il faut prendre ces îles-là, mais ça sert à rien parce qu'ils ont tous les ports sur leur côte. Hein. Dans l'absolu, l'intérêt est assez limité. Hein. C'est surtout qu'il va falloir qu'on lâche plus de présence ici, quoi. Force de frappe, c'est un peu aberrant. Hein. Ça part de là, c'est sûr. Hein. Moi, je la prendrais bien, cette île, mais... Enfin, je ne peux pas. Aucune unité affectée à cette... Et là, j'ai plus la suprématie navale. Et là, j'ai plus la suprématie navale. Super. Il y a un avion. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Bon, Pacifique, reviens t'occuper de ça aussi. Là. Je l'ai plus là non plus, malgré tous les avions que j'ai mis. Enfin, tous, j'en ai pas non plus 40, mais. Bon, c'est toujours pas fini non plus. Ah si, les réacteurs sont faits, mais j'ai pas la bombe nucléaire, du coup, enfin, la recherche de bombe nucléaire, du coup, forcément, c'est 217 jours. C'est encore un peu long. On va peut-être s'arrêter là, on finira demain, je pense. Mais donc, tes 200 et quelques bombardiers navals à l'œuvre. Mais je les ai pas mis. Ah mais ouais, mais pardon, parce qu'ils sont embarqués. Du coup, j'étais parti sur le fait qu'ils étaient sur les navires. Je sais pas pourquoi. Ah oui, non mais effectivement, clairement. Tiens, toi tu viens là aussi. Ouais, ça ne sert à rien. Hein. On se barre. Reste là. Écoute, t'es content d'être là. On le sait que t'es content d'être là. Ici. Hop. Voilà. Ça c'est pris, on est content. Ça c'est pris, on est content. On enlève un port supplémentaire. Ils sont où les autres ports des méchants? Il y en a un là. Il y en a un là. Là, on sait qu'il y a quelqu'un. Je pourrais pas me permettre d'y aller comme ça. On sait qu'il y avait une trompe ici. Je vais attendre ça. On va faire le débarquement là-bas. Ça éloigne les ports les plus proches américains et du coup ils auront plus de pouvoir au bord des côtes japonaises. Évidemment. Évidemment, évidemment. On est good? Oh, le suspense! Voilà, c'est... Let's go, parfait. Bon. En plus, ça nous amène des ports plus proches pour faire la supériorité maritime. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera demain.